Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour modifier les profils existants, donc les profils de vidéo existants, voire éventuellement créer des personnalisés. Alors première étape, évidemment, je suis sur Média Convertir, je vais donc choisir mon fichier, il est déjà choisi ici, je clique sur Convertir, ça je vous montre très vite, et maintenant j'ai mes profils à utiliser là. Par défaut, je mets donc je prends celui-ci. J'ai un profil H264 MP3, ça fera un fichier plus MP3, ce qui fait un fichier MP4. Je modifie les caractéristiques ici en décidant que le codec vidéo doit être H264, etc. Fréquence d'image comme la source, mais ça ne me plaît pas. Moi, je veux toujours une fréquence d'image marquée je veux toujours avoir par exemple du 25 images par seconde. Par exemple. Et puis dans le codec audio, je veux par exemple non pas 128 kilobits, c'est pas assez. On va mettre 160. Puis je veux peut-être du mono ou je ne sais pas quoi, ou une autre fréquence ici. Je clique sur enregistrer. Et donc j'ai modifié mon profil ici, mon profil MP4. Je clique sur parcourir. Pour dire, je vais enregistrer ça sous fichier MP4, enregistrer ici, et puis je démarre la conversion, et il faut que j'écrase le fichier existant parce que je l'ai déjà fait tout à l'heure, et la conversion se fait. J'ai mon fichier MP4 avec mes nouvelles propriétés. Bien sûr, si je veux créer un nouveau profil, je vais au même endroit, puis ici, je clique nouveau profil. Nouveau profil, je lui donne un nom, le nom Eric, et puis je choisis ici exactement comme tout à l'heure le profil de codec audio, codec vidéo. Et puis une fois que j'ai créé tout ça, quand même que je mette quelque chose, que j'ai créé tout ça, je vois mon nouveau profil arriver là en bas. Pour autant que j'ai pris des caractéristiques faisables, ça devrait pouvoir fonctionner.